Est-ce que vous me prêtez vos oreilles le temps d'un petit chemin qui vous mènera vers une des œuvres exposées et qui peut-être changera votre regard sur ce que vous allez voir? On a été invité à l'occasion de l'installation du Fonds d'art contemporain à venir mener ce projet Art Truck à la Jonction. Le déménagement, je dirais, est une chose effectivement importante pour nous. C'est une étape dans notre histoire puisque désormais, on sera au bénéfice de ce grand espace dans lequel on se trouve et qui sera un lieu qui nous permettra de valoriser cette collection puisque c'est une collection publique et patrimoniale. La particularité de cette exposition, c'est qu'elle a été créée avec un groupe d'habitants et d'habitantes et d'usagers, d'usagères, il y a des personnes qui n'y habitent pas mais qui y travaillent. C'est de sortir des œuvres des institutions muséales et puis vraiment de les faire investir le quotidien, donc ici une boulangerie, un cabinet vétérinaire ou un institut de beauté ou un pressing par exemple. La représentante des 7 ou 8 habitants qui ont participé au projet. Pas étonnant que le projet qui nous était demandé, c'est-à-dire une commande, prenne la forme d'une recette de cuisine. On a énuméré un certain nombre d'ingrédients, un peu d'histoire, une bonne dose de nature, de la science, de la technique, quelques cuillères d'imaginaire, un geste de rêve et quelques sons se dégustent petit à petit. Se bonifie avec le temps, à savourer avec les voisins. L'EFMAC a fait une sélection d'œuvres, plus qu'une centaine, qui ont été présentées lors de nos rencontres et qui ensemble, nous les commanditaires, avec l'aide de Thierry, Iris et Saskia, on a pu choisir. Les choix n'étaient pas simples parce que, bien évidemment, ces œuvres nous touchaient beaucoup et la plupart vraiment pouvaient correspondre à nos envies. Mais certes, on a dû au final sélectionner quelques œuvres plus précisément, une cinquantaine environ, pour pouvoir les exposer et puis les rendre accessibles au public. Nous accompagnons les artistes, les projets et les institutions dans ce domaine-là. Et tout ça se fait au travers d'outils différents qui sont l'attribution de subventions, l'attribution de bourses, de prix ou encore la mise à disposition d'ateliers. Vraiment sincèrement vous remercier pour cet accueil avec notre arrivée au sein de ce quartier.